Ok, je vais choper le crâne. Ouais. Attendez, juste, je regarde, il n'y a pas de stab, hein, on est d'accord. Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, un 4v4. Donc voilà, c'est pour changer, c'est surtout parce que en fait le colis ne marche plus sur le serveur bêta. Et donc bah j'ai pas trop le choix que de faire du 4v4. Donc je suis accompagné d'un Ekaflip, donc Tennessee, voilà, ça se prononce comme ça. En face, il y a du panda, donc c'est... Ils sont tous très bien stuffés. Panda, Sakri, Sram et Kra. Donc franchement, je trouve que c'est super équilibré. C'est super équilibré, je trouve. Donc bon, pour les personnes qui vont me dire, ouais, mais t'as une compo auto-win, Sakri, Yopoza. Franchement, en 4v4, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Mais... donc ils sont également de mon avis pour le fait que ça soit équilibré. Et donc bah voilà, donc je suis accompagné de Tennessee. Donc les, voilà les gars, si le 4v4, enfin si le 3v3 en colis vous saoule, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le 4v4. Donc voilà, après bon, ça pourrait être du contenu hein, que je pourrais proposer souvent. Je vais voir si je cop. Ouais, je vais cop, ça crie. Alors, donc mon oseille stuffé bol. En fait, j'ai hésité à mettre le stuff et type, mais je me suis dit bon. On va pas non plus la jouer dégueulasse quoi. Déjà Sakri Yopoza c'est déjà très puissant. Mais franchement c'est puissant en 3v3. Je trouve que c'est super énorme. Mais en 4v4, le fait qu'il y ait une classe en plus, ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Étant donné que là c'est un Kra en face sur une map comme ça. Oui, oui, oui. Enfin bon, en tout cas, moi j'ai dit GL. Je sais même pas si je l'ai dit, mais GL HF. Donc voilà. Allez les gars, c'est parti. Moi bon, en tout cas je vais tout faire pour gagner. Ah, mon Yop, effectivement, il a le même stuff qu'avant. Parce que la bêta a reboot entre temps. Donc là, c'est cool. Là, il me donne la puissance. C'est bien. Bam, bam. Là, je vais crapaud. Hein, le cra directement. J'avance un petit peu. Je vais essayer de cop, ouais. Il faut que je cop parce que si je cop pas. Attendez. Ouf, je pensais qu'il avait stab. Donc là, je crois que j'ai pile la PO. Pour choper. Je crois que je peux me choper le Kra. Je chope Kra ou Sakri. Aïe aïe aïe. Ça commence, hein. Ça tape en zone. Ok, je vais choper le Kra, ouais. Attendez, juste, je regarde, il n'y a pas de stab, hein, on est d'accord. Sakri va venir seul. Ah non, non, je me suis pas boosté, effectivement. Oh
On fait le kill, donc voilà, bah, le truc c'est qu'en 4v4 c'est pas comme en 3v3, en 3v3 on peut faire le kill T2, enfin en 4v4 aussi, mais c'est beaucoup plus complexe dans le sens où le fait qu'il y ait une classe en plus, bah cette classe peut aider, donc en général c'est du soutien, hein, c'est... Bon déjà ce qui est sûr c'est que... Il y aura de l'érosion, ça c'est sûr. Ouh là 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 là. Oh là là. D'accord, c'est... Bon voilà, on commence tranquille, on balance l'érosion. Moi ça me dérangerait pas que la sacri vienne. Voilà, je savais. Je vais dire de la ramener au pire. Et je vais essayer de faire le kill. Bref, enfin bon, il sait jouer, il va venir normalement derrière. Oh, c'est super, oh là là. Aïe aïe aïe, putain, sur du 50% quoi. Aïe 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 aïe. Go taper. Donc là, là, c'est super bien joué. Moi, je sais pas trop encore ce que je vais invoquer. Oh putain, roulé de chance en plus. Allez, sors les. Oh. Bon. Lol. Triple R, ok. Du coup, je l'ai pas érodé lui. Hein. Franchement, les gars, ça sent bon pour nous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent super bon pour nous. On a l'avantage, hein, moi je le dis. Déjà, ça c'est sûr. Juste, je sais pas quoi invoquer. Ça. Le Doppel, si j'invoque le Doppel, il va faire le con. Il va tuer le Doppel Panda, quoi. Un crackler, je pense. Ou un drago. Peut-être un dragonnet, allez. Ouais, un dragonnet. C'est puissant. Ça fait le taf. Plus bon, il pourra, voilà, débuffer. Il va tuer le Doppel Panda. Il va taper fort. Même si à 40%, il va taper fort. À 300, je dirais. Voilà, à 350, quoi. C'est le bonheur. Alors là, en fait, il m'a stable, le salaud. Mais moi, c'est pas grave. Hein. Moi, je vais rester en bas. Je vais tenter le kill. Ah ouais, non. J'aurais dû invoquer le bouffe-tout. Je sais pas si je fais le kill, hein. Oh là là, mais si je fais le kill, quoi. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a beaucoup de résistance, hein. 40-50%, quoi. Il y a déjà des embrouilles. Aïe, non, c'est massacré, là. Donc, As qui fait un misclick, a priori. Moi je bouge pas parce qu'il y a vertige. Ouais non, il y a le SRAM en face. Oh non. Oh non non non. Non, il a pas assez de PM. Non, non. Ok. Non, il a pas assez de PM pour sauver la SRAM. Ouais non, je sais, il les a mis où, c'est mortel, il les a mis ici. Moi je vais bon. Je vais bon coup de cac. Ouf, j'ai eu peur. Aïe aïe aïe. Oh là là. Oh mais c'est monstrueux quoi. Les raids qu'il a, par contre je sais pas si je fais le kill. Ouais, je fais le kill. Ouais, nickel. Nickel. Ivari qui me dit GG, bon c'est pas fini. C'est pas fini. Mais non.
On est que T3. Non mais c'est vrai que j'essaierai les gars de faire un 4v4. Bah, dites-moi dans les commentaires, vous aimeriez bien que je tombe sur quel compo? Moi franchement, il y a des compos où j'ai horreur de ça, où j'ai déjà perdu plusieurs fois. Roublard, Xelor, Zobal. C'est une compo plus qu'auto-win puisque le Xelor il vous ramène dans tous les sens, il vous met à 5 P à tous les tours. Il vous ramène donc là-bas, c'est encore pire qu'un sacri puisqu'il peut faire limite ça à tous les tours, j'ai envie de dire. Et bah quand il vous ramène, il y a les bombes qui vous attendent. Et à ce moment-là, bah, vous avez un perso en moins, c'est ça qui est marrant avec cette compo. Ouais. Ah, il aurait dû déro, hein. Il aurait dû déro. Carrément, il aurait dû déro. Ouais, c'est vrai que j'aurais des buffs, effectivement. Y a pas la PO? Si, t'as la portée, allez, avance. Oh là là. Déro plus Libé. Ouais, non, mais je pense que Sacri il aurait pu faire un truc. Bon, en tout cas, les gars, on a bien. Ouais, GG hein, la team en face. Hein. Ilios, donc la team phare. Et avec la Krat, bah la Krat elle est là. Ace. GG. Bon, je leur dis quand même, on termine. Hein. Franchement, ça crie les cas. Aïe aïe aïe, aïe l'érosion. Bon, mon Oza a rien pris, ça crie aussi. Yop, bon, il a pris un petit peu. Ah, j'adore les SRAM. Putain, j'ai vraiment hâte que ma SRAM soit 104, soit 200 là, stuffé. Comme... j'aimerais bien ce stuff qu'il a là. C'est quoi son stuff, Strigi Blourson? Ah, 12-6, hein. Franchement, ça m'intéresse hein, son stuff là. Je tape tout le monde moi. Contre les K-Flip, je vais demander s'il se chance. Velve. Ouais, il en sait Gourson. Bah. Meilleur stuff, hein. Oh là là, putain, mais qui est-ce qui rock c'était Kafib quoi. Tennessee, je suis content d'être avec lui. Au pire, les gars, hein, si vous jouez sur la bêta, si vous faites comme, enfin, comme moi du colis, que vous avez une team ou pas, alors c'est mieux d'avoir une team ou plusieurs persos, comme ça on fait les groupes beaucoup plus rapidement. Bah, n'hésitez pas à me contacter. Alors, bon, effectivement, je ne suis pas connecté. H24 sur la bêta, ni même sur Luffy, mais voilà, si vous me voyez connecté sur la bêta, on se fait un 4v4, je filme ça, voilà. Je pense que ça aussi, ça sera une nouvelle série. Hein. Il y aura le colis d'un côté, il y aura le 4v4, parce que le 4v4, bah, ça change beaucoup de choses. Oh, le salaud, ah, il est très intelligent. Il l'a mis en ligne avec le double, ouais. Super intelligent. Mais bon, ça ne suffira pas. Ah, bah tant pis, je vais. Je sais pas ce que je fais en fait. Je vais booster, allez. Bah, je vais booster le gars parce que. Je vais avancer. Mon doppelosa, je sais pas trop. Oh putain, il tape 200 quand même. Putain, la vache. J'ai même pas fait. Ouais, roulette de chance, ouais, je comprends. Enfin bref, bon. Bon, combat qui n'est pas encore terminé, mais c'est vrai que j'ai un avantage. Je vous le cache pas. J'ai un avantage plutôt gros, plutôt énorme avec Loza. Puis il a 50% quoi.
Oh là là, oh la crade qui fait mal, hein. Y a crapaud les gars. Franchement. Moi aussi je fais mal, hein, mine de rien. Eh ouais, mine de rien. Par contre, limite. J'aurais peut-être dû sacrifier là, je sais pas pourquoi j'ai. Mais bon, c'est un SRAM en Strigiglurson, c'est pas le mieux. Mais moi, ce que j'adore avec la Strigiglurson, voilà. Vous tapez mutuellement, le gars il tape 500 comme ça. Aïe 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 aïe. Ah. Combat plié quoi. Non, franchement, joli SRAM en face, j'aime bien. Bon. Ah, la belle zone. Attention, marteau des égarés. Aïe 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 aïe. Oh là là, 450 chances. Ouais, pas mal du tout. Il y a des résistances, il est plus boosté, je crois, en plus. Ah bah si, il est boosté. Ah mais il est sous chance. Hein. Oh les roulettes qu'on a eues, putain, non mais du début à la fin, quoi. Bon, GG, hein. Premier 4v4, voilà. Bon, voilà. Donc, Vel Venteur qui veut sa revanche. Ouh, aïe aïe, du 800. Allez, un coup de Vuvu, même pas. Oh, 900. Bon, il est sous chance, hein, les gars. Faut pas, hein. Mais vous allez voir que. Moi. Donc les gars, voilà. Là, je vous présente le meilleur Doppel de tous les temps. le Doppel le plus puissant d'Ophus, le Doppel Osamoda. Aïe aïe aïe. Donc je l'ajoute en ami. Et ah, bah voilà, bah, c'est gagné. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo là. C'est tout pour ce 4v4. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bon, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. A plus, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'est Jessie. Ciao les gars.